Salut Sayen, et bravo à toi d'avoir fait le choix d'avoir téléchargé cette vidéo pour perfectionner tes entraînements ou te perfectionner via les vidéos Sayen Soccer. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec un petit exercice de mise en route. Comme vous le voyez dans ce petit schéma, les joueurs circulent dans un carré de 25 par 25 qui peut être agrandi selon le nombre de joueurs. Une partie, donc la moitié de joueurs, circulent avec un ballon en main, l'autre moitié sans ballon. Les joueurs sans ballon font un travail éducatif de course et réalisent un travail technique à chaque fois qu'ils croisent un joueur avec ballon. Donc ici, je vais vous expliquer avec les joueurs en place sur le terrain. Donc là, je leur demande de faire un travail éducatif d'échauffement haut du corps, des mouvements de bras, jusqu'à ce qu'ils arrivent face à un de leurs partenaires avec ballon pour réaliser un travail technique de remise pied droit, remise pied gauche avec l'intérieur du pied. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'échauffement, on peut commencer à être plus exigeant et à augmenter le rythme, à leur demander également d'être plus appliqués techniquement. Donc ici, les joueurs doivent se déplacer à reculons entre chaque exercice de passe. J'aime bien mettre ce type d'échauffement, enfin disons de pré-échauffement en place. Ça leur permet de rentrer de façon ludique dans l'entraînement. Et puis, les joueurs aiment toujours avoir un peu de ballon. Et ça fait plaisir à tout le monde. C'est aussi un moment de l'entraînement qu'il faut mettre à profit ben, pour observer les joueurs sur leur comportement technique, à savoir si les gestes sont bien réalisés et pourquoi ils n'arrivent pas à le réaliser correctement, donc les positionnements du corps et du pied. Donc là ici, je vais demander aux joueurs de faire une remise de la tête, donc avec un ballon lancé bien haut. Comme vous allez le voir là avec Alexandre, il décolle, tac, une bonne tête. Pour les gardiens, parce que j'ai fait le choix d'intégrer les gardiens à l'échauffement, un ballon pareil lancé haut et que le gardien va chercher comme sur une sortie aérienne. Une fois cette première partie de l'échauffement terminée, nous allons attaquer les étirements activodynamiques pour préparer au mieux à ce qui va suivre de la séance. Donc là aujourd'hui, ça va être une séance basée sur de la vitesse et de l'explosivité. Donc tout ce qui est ischio-jambier, quadriceps, psoas, mollets est à étirer au mieux pour éviter les blessures. Donc les étirements activodynamiques consistent à préparer le muscle en trois temps, donc une phase d'étirement, une phase de contraction et une phase de dynamisme pour redonner de l'élasticité aux muscles. Donc ici j'ai fait le choix de les laisser en autonomie. C'est Lucas, donc c'est le gardien avec les manches blanches qui prend les étirements, qui a l'habitude de travailler avec moi et donc qui connaît parfaitement toutes ces chaînes musculaires et toutes ces phases d'étirement. Mais vous pouvez tout à fait accompagner les joueurs si vous voyez qu'ils n'ont pas la maîtrise de ces étirements et le faire avec eux. Une fois que le groupe connaît bien tous les étirements, tous les mouvements à faire, n'hésitez pas à faire une rotation entre eux. Ça permet d'exprimer les premiers caractères et de s'exprimer devant les autres également. C'est toujours bon à prendre. Donc là, on rentre dans la dernière phase de l'échauffement avec des exercices et des courses beaucoup plus toniques et beaucoup plus rythmées. On augmente l'intensité et le rythme cardiaque pour entrer au mieux dans la séance. Donc là, vous voyez, je suis constamment derrière eux pour insuffler un niveau d'exigence et un niveau d'intensité élevé. Et on repasse en gamme tous les exercices éducatifs. Genou, poitrine, talons, fesses, pas chassés, avec beaucoup plus d'intensité et beaucoup plus de rythme. Ça va, Eden? Voilà. Et voilà. Lucas, toi qui as fait les activos dynamiques, hein?